Voilà l'acte solennel qui a consacré ce week-end l'adhésion officielle du mouvement Rupture révélée Bénin en avant au fan club de l'imam Shakiru Amoussou Fassika. Nous, président d'honneur de Rupture révélée, intimement associés avec le président du mouvement Rupture révélée, avec les membres du bureau exécutif décidant. Notre adhésion à Fassika afin de travailler la main dans la main pour des résultats probants de nos objectifs. Pour le président d'honneur de DZRBA, les objectifs qui sous-tendent cette alliance sont plus que clairs. Très confiant des nombreuses réformes salvatrices opérées, de la gouvernance limpide et de la détermination de ce grand homme d'État, son Excellence Patrick Guillaume Athanase Talon, chef de l'État, chef du gouvernement, le tandem Fassika Rupture révélée en avant œuvra inlassablement pour la consécration du chaos. Je dis bien, œuvra inlassablement pour la consécration du chaos au soir du 11 avril 2021. Le président du Fassika ne dira pas mieux. Pour Shakiru Amoussou, la dynamique de développement amorcée au Bénin depuis avril 2016 ne doit pas s'arrêter en si bon chemin. Les choix de la croissance exponentielle s'imposent. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour construire et un temps pour bâtir. Un temps pour s'organiser et un temps pour s'unir. Ce samedi 19 décembre 2020 témoigne que le voile de l'ignorance, de l'inorganisation et de l'improvisation de la jeunesse fut totalement déchiré. Le nouveau tandem Fassika 2RBA se dit d'ores et déjà confiant quant à la victoire du candidat Patrice Talon au terme de la prochaine élection présidentielle. La fusion est née du constat que Fassika, autant Rupture révélée Bénin en avant, est représentatif dans les 77 communes, autant Fassika est représentatif dans les 77 communes. Donc, ce n'est qu'un mariage. C'est juste pour renforcer l'action sur le terrain, pour renforcer la mobilisation des ressources humaines. Parce que l'objectif, ce n'est pas 95%. L'objectif à Rupture révélée Bénin en avant, c'est 99% et 1% pour les amis d'en face. Voilà qui est clair. Et comme le dirait l'autre, wait and see.